un génocide du peuple congolais. Et ce, sous le silence de la communauté internationale. L'ampleur des tueries récurrentes et en masse des populations civiles congolaises est la preuve de l'inefficacité des institutions illégitimes en place et révèle le degré d'infiltration d'une armée incapable de contrer le projet funeste de balkanisation de notre pays. C'est pourquoi nous avons invité tous les Congolais de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, en passant par le Centre, à une mobilisation tous azimuts afin de dresser le mur de la résistance contre toute forme d'asservissement, contre tous les génocidaires et contre les occupants, de manière à mettre définitivement fin à ces massacres. Mais c'était sans compter avec les ennemis de notre peuple, qui ont non seulement érigé des obstacles à la tenue de cette marche à Kinshasa,